Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté vous attendez nous sous TV La Caille, chaîne Grands Événements qui entre La Caillou pour nous capables informer vous. Merci à vous même qui vous ouvrez porte La Caillou pour nous capables entrer à porter information pour vous sous T-Chess Barou. Et bien, restez là, nous allons suivre toutes dernières informations qui ont dominé actualité à la sous TV La Caille. Dossier qui a dominé actualité nous connaît déjà, c'est question insécurité à qui passe suspendre valer terrain dans le pays, surtout avec dernier sac passé dans la base 5 secondes, qui a dirigé par Izo avec Mano, et n'est tellement à l'aise dans le pays, il a célébré date anniversaire, yo, côté date de créer base là, qui c'était le 7 février. Eh bien, côté 7 février qui s'est passé là, c'était fête n'est yo, il a fêté 17 à 8 février, 8 mars, excuse-moi, eh bien, côté, jusqu'à présent, la police n'est pas arrivé déloger n'est juste arrivé à fêter, non seulement il fêté, yo arrivé implanté yo et bay pression avec autorité yo et non seulement yo bay pression et yo arrivé dévier autorité yo et ben c'est jusqu'à présent en plus on a posé question qui côté ça va aller et gen plusieurs l'autre groupe gang dans pays hein côté ben jusqu'à présent la police pour ka mette nèg sa yo nan rôle yo et n'a dit tout nous connaît bandien la ville coûte même chame te capable dit Jean président Jovenel Moïse qu'on dit yon nèg ki bandi la vie ou coûte. En plus, le monde comme ça, ils ont Obma tombé, Anel tombé, avec un pilote bandit nous connaît, qui tombé déjà, il n'est qui t'a fait la pluie et les boutons dans le pays. Mais je dis que ça, yo, pas là encore. Mais yo pas là encore. Mais ça qui est important, mais yo déjà, tout un pilote citoyen qui t'a supposé vivre et qui était capable d'utiliser la société. Mais avec ça, yo tout yo. Mais tout ça, tu as besoin, mais il faut gon bagay qui fait. Entre moun ki nan pouvoir, moun ki nan opposition, mais tête tout ensemble, population, tout moun ki nan société civile là, collabore avec la police pour nous recommander qu'à déloger bandi dans pays. Les hommes dit là c'est souvent tout et là où si t'as un gradin, toute solution belle facile. Mais l'homme monte sur terrain pour marquer gol là, mon cher gars, pile fly. Ouais, mais c'est ça qui explique que gagne monde qui reproche ça tout oui. Gagne monde qui dit colonel Ribu a fait théorie à monsieur champion mais pratique là c'est pas évident non. Autant de critiques ça. Bon, autant de critiques ça parce que grand pile monde qui pas maîtriser réalité notamment en prend expérience maintenant au ministère des sports. Et l'autre prend ba yo sous en théorique. Yo simple. Par exemple, méthode pour monter et réaliser opération, ce sont des méthodes simples. Maintenant, quelles sont les réalités sous-jacentes que vous pas maîtriser? C'est la toute question. Et, par exemple, vous songez expérience maintenant ministère des Sports, ce qu'il y a à faire, moi connais. Comment le faire, moi connais tout. Mais l'arrivée, pour y deux problèmes qui n'ont pas de droit existe. Et qu'on y a pour prendre un temps énorme pour arrêter résoudre de faux problèmes. Et ça, pour dans le cas présent, une très grande curiosité. Une très grande curiosité. Parce que ça, pour faire, sur le plan technique, c'est simple. Maintenant, la maîtrise de l'humain, d'un côté comme de l'autre, c'est lui-même qui go aide là. Et c'est évaluation, ça, pour permettre de connaître qui sont capables, qui ne sont pas capables. Donc ça veut dire que données faut d'abord gagner yo, ensuite faut qu'on analyse yo, et après ça faut gagner moyen pour intervenir. Clair. Par exemple, on a un bon plan, mais si on n'a pas monde qui préparé pour exécuter le plan, la prête un bel plan. Et si on n'a pas monde qui en condition à la fois morale et physique, par exemple, nos forces de sécurité, il y a un grand monde qui ne comprend pas que les forces de sécurité doivent être protégées. Et qui j'en protège, c'est le filet des renseignements qui permet, c'est comme quand vous avez montré opération, vous faites pour gagner des éclaireurs, ou pas capable d'engager une opération, sans que vous pas au moins gagner un informateur qui a un contact physique avec cible, ou pas capable d'attaquer un espace physique, un espace géographique, et puis l'arrivée où est cible à pas là. Cela veut dire que l'opération était mal préparée parce que son principe ou pas capable de déclencher l'opération ou pas un contact des fois presque visuel avec ce type-là. Donc c'est un principe. Mais c'est ce principe-là pas respecté. Ou capable des hommes, ou capable d'entrer dans une opération,
mais qui conditionnait que ça ait mangé, t'es dormi pendant les 3-4 jours avant l'opération. Et qui boit au entraînement? Parce que c'est l'entraînement qui boit ça, le self-confidence. Que les gars sentent en forme, qui est capable de monter, la courir risque. Mais du point de vue moral, les gars la monter, courir risque. Qui savent qu'on est comme backup pour 6 ans quand on malheur est venu. Donc il y a tous ces éléments-là à rentrer dans le cadre de l'étude des opérations. Mais quoi aujourd'hui, il y a une très bonne évaluation qui est pour faire, d'abord au niveau des informations. Et comme nous avons pris le bac à privé en Haïti, là, il n'est pas étonné. Et connaissant ça, c'est le seul côté qui m'a dépassé dans Varick Street, dans la prison de New York, là, que je n'ai pas appris, parce que je n'ai jamais imaginé qu'un pays comme les États-Unis est capable de prendre une décision à faire des bagages extrêmement graves concernant Haïti, en dehors de toute moralité. Maintenant, ce n'est pas à eux de nous protéger. Mais le m'a appris un bagage, mais c'est sûr que je me dépasse, je suis capable de parce que je ne vais pas penser que c'est un l'apprendre qui ça, exactement? Il y a des gens qui ont déporté pour le barreau. Côté système sécurité américain, pas grand-chose qui a fait avec eux, non? Tellement d'excès de nature criminelle. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite dans Varick Street. Et on est bien gentil, bien cool. Et qui t'aime dans le service sac, c'est qu'on a porté et manger, parce que généralement, je préfère manger fruits que toute autre chose. Mon cher Néglaïm, le good guy là, il n'avait pas 20, il était prêt à 27 ans. Qui histoire personnelle, monsieur? Monsieur, son maniaque, chaque fois le saut, il a un fil découpé en morceaux. Il découpé, mettait dans sa poubelle. Et il a commencé à 12 ans. Ok. Monsieur était en dedans dans la prison. Il a fait process li pour connaître qui ça pour favel. Et on m'a dit, moi, son lot mec qui pote fou. Mais quand monsieur a dit, il y a des votes. Il m'a dit, qui bon? Il dit, Haïti. Or, monsieur était d'origine haïtienne ou il était haïtien? C'est quelqu'un, il était et haïtien. Il est parti, on est parti avec lui aux États-Unis, il n'a pas couru un an. Il n'y a pas de pays du tout. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas aucune adresse, aucune référence. Et pour la gueule, on est comme ça dans la nature. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il sait faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où vous demandez des quêtes, mais ce n'est pas possible. Par exemple, là, pour les deux bagailles qui vivaient dans le mouvement d'avril, il n'y a pas fait partie de culture de criminalité en Haïti. Par exemple, l'autre de un monde prend un petit monde 5 ans et puis il prend lit. Nous pas de culture de pendaison de monde en Haïti, ça pas de culture, non? Ouais. Automatiquement, on va commencer à arriver. Fait pour et questionnement très fort au niveau des structures. Ouais. Même j'avais suicide. Suicide, c'est bon, qui est évident et pour Haïti. La culture, non? Donc maintenant, l'arrivée est supposée un élément de recherche, d'enquête et de compréhension de la part des autorités. Mais assez souvent, nous pas structuré et mécanique sécurité. Voilà. Bien, par exemple, sur l'élément-là, sur une question de sécurité. Mais bon, pile question que je n'ai pas de compétence à virer pour vous, c'est de l'autre monde pour me lire. Parce que la sécurité, c'est un coup de médecin, pour pile monde qui. Il y a une pile spécialité. Oui, et il y a des sous-spécialités. Voilà, et c'est à partir de là qu'on peut monter un bon team. Par exemple, il y a des questions, on va brûler sur le kidnapping, mais c'est registré là pour brûler. Parce que non seulement il y a un savoir-faire sur la question, mais il y a une expérience avec eux dans le domaine. Là. Il y a des sujets qu'on pose avec, par exemple, pour me comprendre la police aujourd'hui, il y a même pas de compétences, pour me comprendre le fonctionnement et mécanique de productivité de la police là. Mais son monde qu'on m'a rien des sols pour moi. Donc, pour vous dire que c'est pas un bagage côté on est ou pas qu'à faire one minute la donne. C'est pourquoi, et dans tous les États, c'est l'état-major qui dirige les forces de sécurité. C'est pas une individu. Bonjour, bon, regardez avec vous, colonel Rebu. En fait, une comparaison, on dit que vous êtes secrétaire d'État et sécurité publique. Et
Information, c'est élément d'Acadie numéro un pour permettre que vous gérez question sécurité. Il y a des structures qui là, qui pour bailler information, il y a des structures formelles, il y a des structures qui informelles, il y a des informateurs qui gagnent doit gagner ça et là, sauf que il y a des monde qui gagnent contrôle, etc. L'autre là, ça a existé, il a fait. Non. M'pas joignez, ni m'pas de guettant. Nous mettons en place non plus. Son structure extrêmement lourde et son structure d'État que fait. Jusqu'à présent, nous n'avons pas défini le renseignement en Haïti. Par exemple, le président Privert, après que nous avons fait environ près de 5 à 6 mois d'expérience dans la CNEL et comme pour advisory sur la question de sécurité, il me dit nous prenons l'élection, faut apprendre charge et. Secrétaire d'État à la sécurité publique là. Moi, j'étais d'accord pour qui ça? Parce que moi, j'ai un réseau. Moi, j'ai un réseau qui est capable d'informer et ceci sur le territoire depuis que je voulais activer. Ça, c'est évident. Mais l'État, c'est pas des réseaux formels que l'État a bien fonctionné. Assez souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas la mécanique d'enseignement, comprennent que c'est son côté qui vient. Et en pile propre, et pour capable briser, prendre comme il fait sauve là avec lui. Par exemple, il y a la distribution de ses fonds. Et je ne vais pas d'abord arriver à poser problème. Non, parce que c'est une commission simple et écoute qui était apportée. Mais il y a un gros désordre, où il y a une pile dit structure de renseignement qui est assez souvent, il n'y a pas entraîné pour ça, il n'y a pas préparé pour ça, il y a plus. Structure de rapporter, qui en d'un métier, parce que c'est ce qu'on appelle première étape d'enseignement, c'est le panier à l'install, où on a tout le bagaille, des plus invraisemblables qui rentrent là-dedans, où on a une structure technique qui pour faire le tri, qui pour valoriser, pour demander qui ça, demander pour rester sous eux. Donc, structure ça de manière méthodique, à ma connaissance, jusqu'à présent, on passe sur place. Maintenant, moi, j'ai bien une chance. Côté de la mission coûte, d'abord, et spécifique, qui était lié à, aux élections. Maintenant, l'homme réuni avec l'IPMEN, nous font évaluation de sources potentielles de menaces, nous déterminer très rapidement, et nous faisons ça techniquement, pour faire nous réaliser l'élection passée en toute tranquillité. Maintenant, il y a d'autres facteurs d'ordre politique également qui ont contribué à cela. Et il y avait des moments de prise de position ferme, et j'avais le total appui du président Privert, même des gains de gros Chabrak, qui était opposé à méthode main, et j'avais l'appui du président Privert, et c'est appui ça qui te permet que nous devions réaliser l'élection. Maintenant, sur les questions liées à la sécurité publique, vraiment, il y a deux pistes que j'ai commencé à investiguer. C'est le piste du quadrillage des villes, et nous déprenons Pétionville comme une ville expérimentale, et la piste de la sécurité routière. Nous arrivés, fait des plans, qui te permettent qu'il était impossible pour un citoyen, une machine, une route nationale, de camper pendant 5 minutes pour anti-décrire l'État, pas prendre qui ça nous a gagné, qui fait machine, qui camper. Maintenant, et c'est une structure, c'est ça me regrette tout, et l'homme d'a sauté dans la sécurité publique là, j'en me désolé, parce que je me bats de guettant, même rencontrer avec mon idée de remplacer maintenant, pour me parler avec elle de dossiers sur lesquels je travaille, qui sont restés des dossiers qui là quand même, et qui par exemple subi l'effet même de l'expérimentation. Mm-hmm. Mais ce sont des idées qui sont là, qui peuvent servir ou qui peuvent adapter ou réadapter ou suivant la nécessité. Ok, Kounia, en termes de renseignement, c'est sûr que, quel que soit Jean-Ré Lille, les gens doivent de manière formelle y exister, qu'on s'attoure, chaque équipe vini. En fonction de réflexe, il dit ok d'accord, bon monte ti réseau pam, m'a gagné des monde qui a là pour bonne information, ou on a quitté mini justice, lui même il dit que et les monde parle aux anges gardiens, il y a des monde qui dit c'est des informateurs, etc. Mais quelque part il y a toujours prévoit moyen par exemple pour gérer question ça. Sauf que gros débat sur question moyen, on parle avec un commandant et dans la police là hier.
on a qui t'a font bon travail, qui toujours pour moi me croit qu'a font bon travail, qui explique que par exemple lui même il était dans le département et faut travailler qui j'en arriver gérer question information hein, qui j'en arriver et entrer et filtrer et bandio jusqu'à ce que il t'ait mis la paix dans espace côté de gain contrôle là, mais ou gain arrêter tout moyen si approche là pas bon, si stratégie a pas bon ou pas abouti. Bon, la stratégie, elle est sur le plan dogmatique, elle est universelle. Toute étape pour faire, pour mettre toute structure, pour mettre sous place, toute étape, yo, c'est yo dans tout livre, yo dans tout livre, yo dans la vie tout fait. Sauf que on a une adaptation pour faire à culture et à histoire, peuple. Parce que yo moun qui a une culture moyen-orientale, il pas réagir, ni penser, ni ouais la vie, même j'ai avec un haïtien. Donc ça, c'est pourquoi dans les teams, il faut avoir des psychologues, il faut avoir des sociologues, parce que il y a un pile de détails que des fois on ne peut pas arriver à maîtriser sur le plan technique. Et c'est enseignement ça qui permet une bonne maîtrise. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut tout un état-major. Maintenant, je ne pas quoi, je pas la réflexion que l'infrastructure à vous mettre en place, arrivé au niveau de la conscience de l'État. Par exemple, tout le gouvernement, ça, il est venu avec une entité que il est allé, qui, dans l'essence de la question, c'est une bonne idée. Ou pas qu'à gagner les services de renseignement qu'il a gagné dans la nature, qui a fonctionné dans le désordre. Maintenant, il est évident que le projet qui a été avec du public, il est vite là-dedans. Cela veut dire que il y a le pire. La pire des situations qu'on peut vivre dans la conception barrière, c'est le fanatisme. Et au monde qui n'est pas dénué de tout sentiment fanatique ou bien qui n'est pas animé de ses propres désirs individuels. Donc, qui rend le document lié des faiblesses, qu'il faut corriger. Mais c'est un bagage qui est inévitable, obligé de mettre sous place, parce que moi-même, de secrétaire d'État de sécurité publique, pas jamais aucune communication avec entité yodim qui a occupé de renseignement de primature, par exemple. Voire même dans le palais national. Parce que son bagage qui a une très grande délicatesse là-dedans sur le plan politique. Pour qui ça? Parce qu'il n'est pas institutionnalisé. Aujourd'hui, c'est Maloki qui est responsable, qui est le directeur des renseignements d'Haïti, du Cap-Dim. Or, c'est une responsabilité et une responsabilité d'État. Au même temps que le monde qui a commandé la police ou bien qui a commandé l'armée. Mm-hmm. Mais sauf que, même aux États-Unis, par exemple, on met une structure sous place, tant que CIA, par exemple, on connaît qui est-ce qui est directeur CIA, mais on, par contre, même lié. À un certain moment, en Haïti, on rappelle que nous avons gagné Earl Jean-Pierre, qui était, directeur SIN, service d'intelligence nationale, mais c'est un bagage qui était choqué, l'homme de ouais conseil de nèg qui dans SIN et puis qui gagne bad SIN dans couyo. Non, ça va rien doit faire. C'est parce que on n'a pas compris très bien ça l'affaire. Il y a un certain niveau à ce que fait pour connu. Au niveau de la structure centrale et centrale de traitement et de prise de décision. Mais les agents de terrain ne doivent pas être connus, ça c'est un principe simple. Et c'est comme, par exemple, au niveau de la police, et maintenant, je t'ai parlé avec mon monde responsable qui est assez éclairé sur question. Et par exemple, le quadrillage des villes. Mais ce doit se faire avec la police banalisée et les agents banalisés. C'est ce que j'appelle la structure invisible de la sécurité. C'est lui-même qui est l'élément qui est beaucoup plus important dans l'infrastructure de sécurité. Par exemple, sur le plan technique, je comprends que une machine capable de kidnapper un monde dans la rue dans la journée. Et puis pour faire 500 mètres, une tuile de sécurité n'est pas interceptée. Cela veut dire que la ville n'est pas quadrillée. La source de transmission des informations de base n'est pas certifiée. Et la structure d'anticipation et d'interception n'est pas bonne. Par exemple, et qui ça nous remarque de manière courante? Le nom où est policier dans la rue. Assez souvent, ce sont des policiers attaqués au service de la circulation qui assez souvent sont dans la rue. Mmh. Il y a des points de contrôle. Mmh. Ils sont détachés. Voilà.
Donc ça vient créer de petites frictions d'ordre psychologique qui décourage les nègres qui dans la rue à Cap-Bat-Pla. Par exemple, il y a des nègres qu'on m'a suivi en matière de circulation. Ou bien l'impression que ça, dernièrement, nous ouais qui j'ai population te réagi, là, on t'a complimenté par une prime et à une là-dedans. Qui c'était quand comme d'habitude bon next ça va jouer avec mon ancien officier de l'armée qui toujours dans coin Carrefour Marathon bah comme ça mais ou bien monsieur next ça en dans vienne tout noir net avec poussette terre oui après dans service là à bail service donc maintenant c'est ce qu'on appelle c'est un homme de foi mais qui par exemple même qui voulait vous laisser temps passer même avec monsieur. Donc, il y a pile facteur vraiment, l'Europe et Magnitoukou qui méritait considérer. Et ou pas qu'il y a une opinion réelle de yo, le ou pas, il y a un dossier dans le monde. Mais qui j'en pourrait l'utiliser des informateurs pour bailler la police information, le considérer que, par exemple, ou qu'il y a une quantité de policiers eux-mêmes, information que vous gagnez ou même vous partagez là avec des bandits, d'autant que en pile yo, enfin en pile là que tout le monde connaît qui impliqué dans des gangs. Oui, mais c'est pourquoi ceci existe dans toutes les polices du monde. Ce qu'on appelle les policiers ripou. Ça existe et c'est ça fait. Ils mettaient une infrastructure en dans la police là, qui pour faire travail de crise. Maintenant, la structure ça pas renforcée. Il n'a pas fait travail au quotidien de manière juste tant que il n'a pas fait aucun abus. Eh bien, tant moi, vient permettre que y ait l'autre état mental, y ait l'autre type fonctionnement vient installer en dans l'institution. Par exemple, je dis à mon guitare, apprend des responsabilités en matière de sécurité en Haïti. Sous son monde qui constitue, eh bien, faut qu'on ait premier bail au fait, ou mettez vie ou évite toute famille en danger immédiatement. Surtout si vous avez l'impression que vous êtes capable de faire le travail. Pour qui ça? Il y a une structure qu'on ne connaît ou pas connaît mon yo qu'on peut mettre et dans le problème. Et on peut rendre inopérant. Or, son activité est choisie pour vivre bien. Et, par exemple, quand il est installé dans le banditisme, et, ou est-ce c'est un mode de vie qui est choisi? Et apparemment, son mode de vie qui permet de la Chelbel, il a souvenu désir, li, désir d'être li, etc. Mais plus temps a passé, il a installé dans le bagage, que l'État n'a pas réagi positivement, c'est plus le problème a été difficile pour résoudre. Mais quand même, le fait que il y ait des gens qui appelé pour mettre l'ordre et puis qui impliqué dans des bagailles qui a fait des ordres en plus insécurité en plus criminalité gros criminalité et qui j'ai voulu approcher une question comme ça parce que quand même river neutraliser éléments ça pour bagaille pour faire faut qu'a identifier comment pour faire pour identifier. Bon, ça n'est pas difficile parce que quand même terrain gain en pile renseignement qu'a brûlé là-dedans. C'est qu'on est pour qui gens pour aller chercher et qui gens pour gérer. Et la première chose, c'est avoir ce qu'on appelle un état-major stratégique péril. Parce que si on a un état-major stratégique, il n'est pas stérile, alors là, parce que c'est la source de la pensée de l'organisation de l'intervention pour la sécurité. S'il n'est pas stérile, ou n'a problème, c'est ce que je dis là tout à l'heure, quand vous préparez l'opération, et puis le premier monde qui est en connaissance de l'opération pour le faire, c'est le bandit. Mais il y a des méthodes pour gérer ça. Il y a des méthodes pour gérer ça. Et il faut que le monde tout simplement en place et qu'on connaît qui ça fait. Grande période, colonel Rebu, en 10 période 2005-2006, et kidnapping était très en hausse. Hein. Et après ça, les vins baissés, moun presque pas tendé parler de kidnapping encore. Et puis après ça, les vins remontés. Qui j'ai un foyer de kidnapping n'a constitué? Bon, ça pour moun connaît, pas aucun moun qui dans les activités de crime qui remet bagayouille la mort. Du tout. Nous parlons de ça même. Même si blessé, vous ne pouvez pas.
Donc, le ressenti ou bon infrastructure organisée en place qui est capable de démanteler. Par exemple, jodi a, souta et dit bon ça, étudie en question sous kidnapping. Bon spécialiste, hyper qualifié, je m'a pris tout de suite. Tout de suite. Parce que mécanique fonctionnement système non li connaît et habitué par un pile bon résultat la donne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'abord organiser le renseignement. C'est, le renseignement est tout. Le renseignement est tout. Organiser le renseignement, par exemple, ma gagne un bagage qui passait là hier, extrême gravité, côté un monde qui perdu la vie et un autre monde qui blessé. Mais l'acte qui a été posé a été annoncé. Est-ce que l'annonce a fait là? Les structures qu'a fait le tri au niveau des renseignements prend le bon bagage banal. Non, pas quoi? Pas quoi, il était qu'à prendre le bon bagage banal. Parce que ça fait là, il était annoncé, il était voué, le directeur, mettre le bagage dans le et si vous pas faire, n'a pas pris des dispositions contre ouais. Là, on parlait de ça privé au niveau de EDH. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle, ou pas qu'à, ou qu'à peut-être sous-évaluer, mais c'est ce qu'on appelle la fermeté dans un commandement, malheureusement criminel. Parce que acte ça fait, vous ne pouvez pas dire ça. C'est le monde qui est responsable, parce que le dit ça, il y a des gens qui en bas l'autre. Il montre les gens qui sont en bas l'autre, que son chef, tout le monde, l'aile, tout le monde, bagaille, la fête. Et son principe, il vaut dans toute organisation. Volta de préférence des organisations de l'État. Par exemple, moun qui est responsable dans l'État, pas courir parler sous bagaille que le pral fait. D'ailleurs, en principe, l'idée faite pour le fait sans jamais parler. Ouais, moun a constaté que ça a été fait. Voilà. Dès qu'on a un effet d'annonce, moi-même, sur le plan technique, une grande suspicion. Est-ce qu'on est capable de faire sortir après? Parce que en matière de sécurité, on va pas annonce. C'est le temps de me dire que n'a pas une fête d'Elbaïdo. Ça ne se fait pas. C'est contre le principe. Bon, ça suppose on bé à bas en matière de sécurité. Oui, ça c'est clair. Ça veut dire que c'est quand vous voulez mettre mandat derrière un nègre. Soudain, il y a mettre mandat derrière un nègre pour arrêter. Et puis, bah, elle a tombé, cuité, tombé. Bah. Ouais, tout le monde a parlé de lui. C'est du dîner à courir. Ils font un jour pour ne pas se déplacer pour ne pas résoudre nos problèmes à même. Parce que c'est leur opération concernant un monde qui gagne des bagailles qui fait contre l'État. C'est leur frapper pour que les gens ne soient pas des gens qui ont couru à gauche à droite. C'est le béaba du métier. Moi-même, je crois que nous avons un petit peu plus. Oui, mais dans le cas ça, par exemple, si je prends un mandat, on dit que, il paraît clair que il faut que vous informez le directeur immigration, par exemple, sous ça. Maintenant, comment le fait prendre là? Oui, ça, c'est notre débat. Parce que je dis à nous qu'on est réseaux sociaux, bah, là, juste arrivé, qu'on y a là, l'être ISO, il juste bail, il y a accusé de réception dans EDH. 5 minutes plus tard, tout réseau, tout le monde est au courant de l'État. Eh bien, parce que l'État a cessé d'être l'État. Parce que le premier bagage qui caractérise pour l'État, c'est la sérénité, la confidentialité. Et agent de l'État, il y a un devoir de réserve pour ça. Et c'est deux bagages qui vous remontez bien facilement. Maintenant, je dis à Baila Gaïa un point tel que tout devient difficile. Parce que quand tu reçois une correspondance, il y a un monde qui a qui bon accusé réception. Maintenant, correspondance, il y a deux sources qui réellement nommées. Le monde qui te pote là, avec le monde qui recevoir là. Maintenant, ou pas foutu qu'on est qui Jean lui fait sortir. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas avancé avec la technologie. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes en pile place dans l'infrastructure et de sécurité dans le pays. Parce que en pile bagaille, je dis à y a des bagailles sur le plan technologique pour maîtriser son petit membre. C'est évident.
c'est pas génération moi, technologie a évolué. Et maintenant, ça, vous connaissez même le responsable, c'est que faut qu'on va connaître. Donc, si vous agissez là, vous avez deux voies d'apprendre. Mais il y a des gens qui sont extrêmement agiles, par exemple. Et je dirais une conversation avec un très gros chef. Mais, par exemple, je ne comprends pas comprendre l'affaire problème de localisation. De localisation, les gens qui concernent bon, les criminels, je ne comprends pas comprendre. Maintenant. Qui sont pas comprendre là-dedans? Parce que la méthode pour localisation fait est tellement connue. Oui, mais il n'y a pas de chercher localisation. Encore, localisation est évidente, tout le monde connaît et il y a assumé. Donc là, ça a, vinou, ça a supposé résoudre les mêmes deux jours. Non, mais je te parle du point. Du point. D'un point, par exemple, où on va prendre une zone qui est dans Delma. Mon problème avec un nègre qui est dans la zone Delma. Delma, ça fait depuis en bas de circulation, arrivé juste dans Delma 95. Donc, son area extrêmement large, les moyens technologiques te permettent de savoir exactement si nous sommes dans le Delma 18, Delma, oui, oui, ça c'est certain, ça c'est certain. Delma 47. Mais les moyens technologiques sont là. Maintenant, ça demande une organisation, ça demande de gros moyens. Maintenant, est-ce que l'infrastructure est mise en place? Et s'il va mettre en place, pour qui ça? Oui, mais Kounia, au-delà de questions d'infrastructure, Kounia, on prend des cas pratiques. Et ma prête trois cas, ma prête trois cas. Et prison quoi des bouquets cassés en jeudi. Moi expliqué là plusieurs fois en vendredi la police était comme d'akadi démissionné puisque pas gagne ken côté gen fouille, pas gagne ken côté qui gagne rien comme contrôle ou gagne impression gagne plusieurs centaines de bandits qui dans la nature, ça pas dit la police rien, ça c'est premier constat que moi-même j'ai fait. Deuxièmement, et ou gagne par exemple chaque cas de kidnapping qui fait soit la cité de Dieu soit la et Gravine moun qui fait kidnapping yo assume l yo dit c'est eux même etc. Tout le monde connait côté yo pas gagne rien qui fait pour ça. Mais troisièmement, regardez dernier événement qui était annoncé avec équipe 5 secondes là, yo annoncé a fait un festival, il a fait une activité et musique. Maintenant la police a traqué une moun qui était pour participer yo fantôme. Et puis ou gen impression comme si m'ta di ça pou ta fait puisque bon espace physique qui disponible, c'est-à-dire géographiquement yo localisé côté équipe ça pral lié, donc toute base yo a plat, zanmi yo a plat, etc. Et puis ba la passé comme ça ou di ou gen impression moun ki dans la police c'est des ébété. Ou bien est-ce que vous avez un bagage dans la tête que nous-mêmes nous ne connaissons pas, colonel Rebu? Je suis extrêmement étonné sur le mode opératoire. C'est d'ailleurs qui vient créer un pile problème. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'artiste qui va performer qui est le problème. Maintenant, l'artiste a son monde, il y a un moyen de déplacement. Maintenant, il y a un côté le bralé. Il y a un côté le bralé. Et moi, pas comprendre. Alors, comme je dis, lorsqu'on acte posé, et l'être fort, très prudent, leur critiquer. Ou quand on a dit, par exemple, ça n'est pas bon. Par exemple, on dit dans le cas prison, c'est clair que il n'y a pas de standard operation procedure. Parce que quand prison est multinouille là-dedans, que prison arrive cassé, ce sont des bagages prévisibles. Et comme les prévisibles, il y a une réponse préparatoire qui est prépositionné pour ça. Et où tu fais pour tes dispositifs là, opérer. Et les bagages qui passent par exemple pour les bouquets, ben non, pile de son. Il est évident que prison est un espace géographique de situé, mal situé par rapport à la qualité criminelle que vous mettez là-dedans. De monde de cette nature, pas capable, par exemple, à la rigueur, pas capable d'utiliser cet espace-là, on coto capable garder des mineurs qui en infraction avec la loi. Mais ou pas capable garder, ou pas capable ça comme prison pour garder des criminels endurcis qui comptent moyen et des crimes de guerre. Le premier chapé, c'est les populations qui mettent en danger tout de suite. Maintenant, et il est clair que ou pas que ça est un standard operation procedure qui permet que dans tel cas, mais et dispositif
En passant, vous évoquez le directeur de APA. Oui, mais j'ai dit ça, mais bon, là, comme je le bas, c'est au passé, il faut que ça ait assez de recul et il faut que les renseignements. Il faut que les renseignements pour permettre de évaluer. Par exemple, bagaille qui passait avec Artistio, sur le plan technique, c'est une faute. Maintenant, la question, pourquoi? Parce que c'est tellement évident que le mode opératoire, ça n'a pas qu'à bon. Je ne suis pas capable de faire un avec un nez comme sorti la Kaili qui dit qu'il peut faire mal ou bien le faire chanter. Ouais. Même sur le plan légal, est-ce que vous avez le droit? Maintenant, il y a un point pour la latérie. Et c'est quand, par exemple, quand tout point, ça va parler. Lorsque l'on analyse le terrain, la première chose que tu dois considérer, c'est les avenues d'approche. Plus les avenues d'approche, ça veut dire que les routes qui mènent dans la zone, ça. Plus avenues d'approche au cas où ça, donc c'est plus ou capable ou bien des actions criminelles rapides là-dedans. Mais comme vous voyez, si par exemple, là, on prend côté boulé, ce n'est pas des sentiers pour le passer, donc il n'est pas capable de passer avec une machine, même s'il est capable de passer avec une moto. Ça réduit automatiquement la quantité de monde que vous êtes capable de transporter pour entrer ou pour sortir dans la zone. Donc, pourquoi les avenues d'approche ne sont pas contrôlées? Par exemple, le positionnement d'un individu qui communique, son bagage qui est facile. Maintenant, pour qui ça, il n'est pas fait. Et maintenant, assez souvent, il y a parlé de opérations qui n'est pas faite pour éviter dommages collatéraux. Écoutez, cela veut dire que pas de technique encore. Quand je regarde quand on capte un truc, besoin d'un individu rentre au prend individu en sortir avec zéro. Bon, on prend par exemple deux messieurs sont arrêtés là. Et ils ont venu ou étranger venu prendre aller. Vous comptez combien de temps ils ont sous piste monsieur ça travaille. Ouais. Et là, vous tenez vous prendre. Combien coup de fils vous tenez de tirer vous de prendre. Donc, parce que le travail qui est pour faire techniquement fait. Peut-être que vous pouvez dire que M. Sayo pas un, gagné et Gozam. Deux, il n'y a pas opposé, d'accord, une résistance à ça. Non, mais parce que justement, l'heure où une opération, vous obligez de tirer, vous obligez de tirer. Non, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Parce que vous n'êtes pas de notre. Et ça l'a fait la descente à terre, la petite descente. Il y a ce qu'on appelle dans ce genre d'appareil, ce qu'on appelle des servants. Des servants, parce que assez souvent, c'est des appareils qui ont des fusils, des mitrailleuses ou bien des mitrailleuses, vous allez prendre du size. Et même des fois, dans certains cas, sur le plan militaire, des canons. Mais les gens sont capables seulement d'utiliser pour faire ce qu'on appelle un feu de couverture. Et le feu de couverture ne s'adresse pas à une cible. C'est un feu qui est là pour permettre ou neutraliser ou bloquer pour que sur l'espace ou bien forcer le courir. Il est capable en forme de dissuasion. Voilà, il faut une structure qui peut intercepter. Mais ce n'est pas mon qui est capable d'intercepter, puisque il va capable de t'apparaître là. Qui ça ou même dit, et colonel Rebu, l'organe des types d'opérations ça qui a fait des fêtes, notamment Village de Dieu, et puis qui toujours raté. Qui ça dit ou même comme professionnel? Mauvaise planification. Valérie, comme un jour. Bon, moi-même, j'ai une expérience personnelle que je me défends en Haïti, je ne pas tellement parler de ça. Par exemple, dans le coup d'État d'avril. Mais tout le monde a été procédé à l'arrestation, tout arrêté sans pas un coup de feu tiré. Parce que c'est l'information qui conduit l'opération. Ce n'est pas l'acte de force. Ce n'est pas l'acte de force. Mais nous, quand on va après la vingale, moi, c'est ça que fait l'opération de l'opération. Il faut même prévoir qu'à imprévu. Si on arrive, hypothèse telle va passer, qui ça l'a fait? Et tout le monde connaît qui ça a fait dans le cas. Et le commandement, les salabais et ordres subséquents de manière classique parce que ceci doit être prévu. C'est ça fait un cadre opérationnel qui gagne 5 moments. Premièrement, c'est la situation générale ou analyser la situation où nous avons un problème avec là, côté localisé, qui moyen gagne, qui est à moral,
qui fonctionne mal. Maintenant, à partir de ça, ou, et sous une information que mon par exemple, il y a 50 nègres avec. Sous une intention d'attaquer pour terrasser 50 nègres là, faut dire c'est menti, M. Baou, il prend pause pour qu'on ait 50 mounes, c'est 200 gains. Donc, opération, on va analyser les forces amies, forces pas pour le mettre en face de nous, pour mettre 500 mounes. Mm-hmm. Pour environ 300 mounes pour l'opération initiale et 200 mounes en réserve au cas où, de telle sorte que, quel que soit sa niveau, capable de continuer l'opération. Maintenant, mm-hmm. au moment d'attaquer, le principe là, il faut qu'on ait un contact visuel avec nous. Et c'est pourquoi on utilise les éclaireurs. Je ne sais pas si l'attaque, on est sous position, mais le mouvement n'est pas là. Donc, cela là du travail de balisage terrain, non, pas de fait. Mm-hmm. Mais maintenant, le fait type de l'opération, ça, qu'on y a, de recevoir et un commandant de la police, ça, qui expliquait que, en toute logique, le pénétrer dans l'espace, c'est pas juste à l'attaque qui cible, si vous pouvez le remplacer, c'est pour le remplacer. Si vous pouvez éliminer le foyer qu'il a, faut éliminer. Mais cette histoire de mener opération et coup de poing, après ça, retourner, quelque part, il n'a pas fait sens. Il n'y a pas opération. Il n'y a pas opération. Il n'y a pas opération. Et son bagage est extrêmement dangereux pour le moral des hommes. Parce que la troupe que tu engages dans une opération, fait pour une sensation d'avoir résolu un problème. Il n'est pas capable de tourner avec l'impression que c'est une théâtre qui a fait à jouer. Donc, ça va jouer sous moral. Là où dit l'opération dernièrement, il n'est pas même senti blindé parce que où est-ce qu'il va monter en opération, ce n'est qu'il va monter sur le front. C'est un défenseur. Il y a le sentiment de défendre la société qui fait pour habiter Mounsa tout le temps, qui pour build up énergie. Mais si elle arrive tout le temps où est son blague, c'est jouet lié. Parce que comme nous, mieux vaut ne pas entreprendre une opération du tout que entreprendre pour ne pas aboutir. Ok, qu'on est à bon moment, qu'on est à l'ébut. Ça, on dit là, et ce n'est pas où qui connaît où seulement. Il y a un ensemble de monde qui était passé dans l'armée, notamment, par exemple, qui connaît et qui gens ont mené opération dans des cas spécifiques, dont ça n'a pas parlé là, par exemple. Côté expertise, ça, qui ça fait que tout ça a fait ou mal fait, ça qui passe d'après vous? Bon, il y a un gros malheur qui vit le pays. Et il y a un pile bagaille que nous abordons rapidement. Et puis, depuis que nous abordons là, il tout fracassé dans le même. Et, par exemple, ce n'est pas pour rien dans l'armée où il y a un pile grave. Il y a un monde qui est sous-lieutenant, il y a un monde qui est lieutenant, il y a un monde qui est capitaine. Bon monde qui majeur, lieutenant-colonel, colonel, général, etc. Chaque vous l'a dit, au niveau de connaissance, au niveau de savoir, au niveau d'expérience. Là, par exemple, vous prenez un monde qui a un côté pas privé, par exemple, vous commencez à étudier la stratégie générale à partir du grade d'officier supérieur. Et à partir du grade major. Et il y a des écoles spécialisé pour aller aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de comprendre la pensée stratégique parce que c'est une formation et en plus une pratique. À moins que mon nom soit autodidacte qui fait les études personnelles. Or, études personnelles, je vous demande pour gagner ça. Oui, une pratique qui peut accompagner. D'abord, si c'est sur le tas, si c'est sur le tas qu'on va faire, ça veut dire qu'il faut pratiquer. Voilà. Par exemple, on est en cours Marie-André Sol. Ou elle dérive dans la tête de la police là, après une situation vraiment calamiteuse, dure, grave. Moi, elle paraît qu'il conseille de mesures qu'elle prend. Maintenant, qu'on y a la question, est-ce que mon responsable là, il est appui politique? Parce que c'est le politique, mon qui chef là, qui détermine toute bagarre. Et c'est comme ça que tout l'État fonctionne. Par exemple, il y a la force des institutions, en tout cas les États-Unis, par exemple. Où est-ce qu'au moment, président Trump pensait qu'il y a des bagages qu'il doit faire. Ou est même côté, comme son bagage qui endure des normes, vous voyez au monde, puis au responsable de le choisir dans un al dit non, ça n'a pas fait comme ça.
et institution pas capable permettre de faire ça. Yo pas fait parce que environnent dans rébellion contre ce président non. Yo fait parce que président rentré en rébellion contre un principe d'état. Yo rappelé le. L'entité communauté qui a déployé l'armée américaine à l'intérieur des États-Unis. Mais son principe de base, les armées ne sont pas faites pour guerroyer contre leur peuple, c'est le contraire. C'est par exemple où est. Parce que c'est des forces de défense en réalité. Voilà. Ce sont des forces qui sont là pour défendre et la nation. Cela veut dire le territoire et les individus. Par exemple, Mbawe qui vient, on est où tu as demandé pour me tirer son haïtien. Mbawe qui vient, on pourrait faire ça rentrer dans le mental. Parce que mon rôle comme officier, c'est de défendre le citoyen haïtien. Maintenant, il rentre dans un espace de criminalité, le sale vient changer de camp. C'est par exemple qu'il a développé la théorie aux États-Unis de l'ennemi intérieur. Là, par exemple, Mounta vient représenter un danger pour la société. Il vient, c'est là qu'il vient un ennemi pour moi. Parce que bagaille la fait société, moi, pas capable de quitter le fer. Donc, le SAM agit avec lui quand il est ton ennemi. Donc, il y a toute notion ça, qui assez souvent, où il y a des gens qui vivent dans des espaces de décision qui ne pas arriver, où on ne peut pas le faire, parce qu'il vivent mieux. Et puis, l'OAP, c'est manger, il vient ici dans l'eau, il fait son sirène. Mm-hmm. Et il y a des contacts qui vivent en Haïti, parce qu'il y a des gens qui vivent trop haut, trop vite. Il y a une pile de fils qui revient et pas capable. Et maintenant, les gens qui peuvent choisir, choisir des fois peut-être de bonne foi. Parce que pas qu'on ait catégorisation qui fait dans le gradio, dans le bagaille, il n'est pas fait au hasard. Il n'est pas fait au hasard. Et par exemple, si on prend un général, on dit, ah mon cher descend, à diriger tout ça, à monter à l'assaut. On perd du rôle, lui, ce n'est pas place lui. Parce que lui, dans l'espace de la pensée stratégique. Mm-hmm. Maintenant, c'est des nègres qui gênent garçon, qui gênent tout fougue, etc., qui connaissent qu'ils ont appliqué une méthode opératoire. Est-ce que tout soit parlé là ou font des problèmes au départ. Ok. Est-ce que quelque part, pas gagné moun sa yo, quoi parler là, qui disponible, qui travaille un coup de main, qui travaille plus utile à des postes spécifiques, j'ai quoi décrit question là. Moun sa ou disponible, ça dit, ou sous humain sa ou là. Gagné, plein. Ok. Gagné, plein. Et, par exemple, moi, je suis secrétaire d'État de sécurité publique. Et moi, j'ai toujours pris précaution par rentrer dans la police là sur le plan opérationnel. D'ailleurs, je n'ai pas de temps pour ça. Je n'ai pas tes missions. Mais, je donne aujourd'hui la garantie absolue. Moi-même, bah, j'en parle en absolu parce que pour moi, la vie est tout bas relatif là-dedans. Ouais. Mais je donne la garantie absolue que la police nationale a les agents qu'il faut pour résoudre les problèmes que nous vivons. Ok. Ah oui, ça. Et les techniciens pour arriver à mettre en place une infrastructure sécuritaire sont là. Ok. Kounia, où le blocage se situe-t-il où ça? Au niveau de ceux-là qui décident qui va être là, qui ne doit pas être là. Dans le positionnement des hommes. Okay. Et ceci parce que je ne pas connaître. Parce que je ne pas connaître. C'est comme si nous avons dit, vous prenez Messi ou mettez le fait gardien. Voilà. Voilà. Okay. Automatiquement, il y a bien un goal. Ça oui. M'a dit que Messi est un bon joueur. C'est ça. Ou mal placé. Mettez le dans mauvaise place. Voilà, ou jouer mauvais rôle. Il faut identifier les gens. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Et la confiance qui vient avec. Ça veut dire que là, où commandant est au pral bay ou l'autre, il faut que les gens qui ont recevoir l'autre aient confiance en jugement. Et confiance dans le jugement, c'est pour matin le construit. Mm-hmm. Pour connaître que ça dit la juste et le pral faire. Et qui pénétrer de lui que le pral faire avec toute la foi. Par exemple, moi-même, moi vivant en Haïti, je dis, mais c'est principe ça, oui. L'implication de tous les hommes à l'intérieur d'une opération, côté mon approprié de mission. Et quelqu'un pour faire l'appel. Moi-même, moi crois que
même si on regarde même sur le plan politique, si on regarde les paysages politiques en Haïti, là, mais pour moi même c'est d'un côté comme de l'autre, c'est du suicide en absolu. Ou répression. Objectif que mon indique le gagner, chaque fois l'ouvre bouche, chaque fois l'ouvre un acte, l'ouvre un acte, contre la ville le faire. Cela veut dire que ça, monsieur dit là, ça le fait là, pas t'as capable de mener le côté le fait aller. Donc, qui s'est capable de faire ça? Pour moi, une seule chose, parce que pas qu'il y a personne qui prend position publique qui n'a pas jamais réussi. Et c'est la bras de Valérie. Moi-même, je ne suis pas un monde qui jugeait des affaires nationales avec des émotions comme la haine ou l'amour. Parce que métier obligé froid. Il y a des désaccords que j'ai avec le gouvernement qui là. Et les désaccords sont connus. Il y a un pile, c'est pas même moi-même qui ai des désaccords, c'est tout le monde qui a des désaccords. OK? Maintenant la question. Je dis à la situation que la population a vive là. Mon devoir en tant que citoyen, mon devoir en tant qu'officier. C'est si tu as gardé tout ce qu'on fait là, je vais continuer à kidnapper les gens, je vais continuer à tuer les gens, ça va garder. C'est quand coup, je ne vais pas dire petit comme si je dans la rue, parce que quand ça va t'en concerner comme citoyen. Maintenant, est-ce que ça va faire de moins fanatique une pensée politique? La question, c'est non. Mais il faut être capable de faire lui. Entre action politique qu'a mené ou qui voulait mener, hein, avec réalité d'empêchement qui a un impact sur tout citoyen ou lui-même. Ou mais en pile fois, ou a l'impression de créer des bagailles pour que vous voyez un message, mais pour montrer que, bon, bah, elle a chaud, et puis, n'a frappé, comme si nous avions un pompier. Exemple, qu'on est un centre, qui est le centre d'information et de coordination conjointe. Centre ça, et CICCA, il était là pour chercher information, et conseil d'information que vous gagnez. Si vous parlez avec moun qui est dans le centre ça, il y a du, tout ça, on va parler en termes de renseignement, toute information pour gagner, vous gagnez tout. Mais côté pour information arrivée pour que vous fassiez ça pour vous faire, vous n'avez pas fait. Parce que, nous, on prend une décision à la tête là. Ou bien il n'y a pas maîtrisé une chance à vous. Ou bien il n'y a pas fait structure ça. Ce ne sont pas les structures d'État. Par exemple, l'homme qui est à la carrière, vous entendez, il y a un communiqué qui prend. Qui concernait citoyens, parmi lesquels je me trouve. Automatiquement, si il y a un erreur là-dedans, il y a deux voix pour me dire, oh, attention, ça, il faut approcher tel genre de préférence au lieu de tel genre. Parce que l'impact négatif qui va le gagner, il a bien réagi sur moi. Donc, moi-même, moi, quoi, le bail, ça vous fait assez souvent, au cas, par exemple, dans le cas présent, au cas présent, on a dit, ah, au long de l'opposé telle critique là, on a même un avoir pour nous parler de ça. C'est ce que j'appelle, yon moun qui tendait ou, yon moun qui croit que ça dit a capable de certaine importance, pour faire mieux, il t'a préféré parler avec vous. Mais il a dit, ah, nommé le ça, tout va bien, le job l'a cherché, et la vie l'a cherché. Ça va me dire que ça dit, moun nan dit, ah, impossible, non? Mais c'est ça, les réactions pulsionnelles, superficielles, là, et c'est bagage, ça, qui mène nous, là. Des fois, moun qui chef, là, pagé, ça, il est le recul du chef. Pas de discrète pour le connaître, faut le contenter. Faut le contenter, faut l'accepter critique, faut le capable réajuster. Pour qu'ils aient pas délivré un résultat. Maintenant, le moun qui en l'air, il pas attendre, tout travail qu'il fait, au niveau de tout palier, même de travail inutile, cap décourager agent, cap décourager mon ah, mon cher, bon, c'est peine perdu, et puis mon abral mourir avec une pile connaissance, une pile savoir, et puis qui te cap rendre société à service. L'entendez, par exemple, on a qui a cité non dans kidnapping, qui assumait que les kidnappés des mondes, les battent l'estomac, les expliquer pour qui ça le fait kidnapping, non, laisser justifier, etc. Et, ou même comme citoyen, ou même comme professionnel, dans la question de sécurité. Et est-ce que ça a pas révélé ça? Non. Les témoignages d'une certitude que le gain n'est pas bon.
c'est un nègre qui a un visa free. C'est pas lui même qui a parlé. C'est force appui qu'on a qui a parlé. Ok. C'est un bagage. Qui va on est capable dans la société criminelle et puis pour assumer publiquement criminel face à l'État? Et c'est là nous, où il y a un côté de donc, on garantit que on garantit que nèg ça arrive à nos côtés. Mais son mais pas qu'à venir de l'autre côté que dans l'État, parce que quelque part, c'est en face l'État allié. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est une accusation, c'est une information. C'est une information. Ah, c'est un bon rubéo. Parce que il y a un pile monde qui dévie, qui côté où il n'y a pas de fait pour le là. Par exemple, un cas simple. Dans le moment où on vit là, il y a un citoyen que la police est interceptée. Et puis, il y a plusieurs plaques machines dans la machine. Oui. Son bagage d'une extrême gravité et son message extrêmement puissant parce que, Valérie, je vais m'expliquer le bagage. Pour mon machine, pour remplir formalité à l'État, il met son plaque là-dedans. Bon, qui est-ce qui va passer dans la tête pour besoin de détruire l'autre plaque? Ouais, me fait analyser hier. Ça veut dire que son bagage passe pas ça passer dans tête mon normal du tout. Ouais. Mais s'il passait ensuite nous constater l'un constater qui t'a fait tout le contraire de chaque type de fait. Quel est le message? Donc c'est ça forêt. Le regain du monde qu'a dit moi même les pas dans bouche moi. Qu'a dit que les gens dans l'État a sauté de des activités criminelles. Mbabdil, même si je prends comme une hypothèse probable, parce que je n'ai pas aucun moyen pour me justifier ça. Ça ne veut pas dire que je ne mais dans le cas précis, qui message l'État, oui. L'offre de gestion qui fait de M. Dominicain qui a été kidnappé. Ce n'était. Moi, d'accord que dans le cas ça, on est obligé de gestion d'État. Mais gestion d'État, elle n'a pas fait. J'ai autant de la gagner sur la place publique là. Cela veut dire que nous n'avons plus le sens de quoi que ce soit. Et maintenant, ça, c'est eux-mêmes qui pourraient le conforter dans la tête de tout le monde. Cap de mon cher, nous sommes en train d'être dévorés par les bergers. Moun qui était là pour protéger nous, c'est eux-mêmes qui ont mangé nous. Maintenant, ça, c'est le message public. Qui est fait le message public, ça, dans la tête policier qui doit être là. Dans la tête commandant qui doit être là, qui est correct là. C'est une raison pour il y a énormément de monde dans le corps de sécurité, ça, qui est la police nationale là, qui est parti, qui quitte le pays, qui a fait autre chose. Parce que, il y a des bagailles. Il y a assisté, il pas normal. Donc, ce n'est pas pour ça que défini. Donc, sans perdre de temps, je préfère éloigner de ce problème-là. Mais si nous avons fait un petit tableau, par exemple, pour regarder volonté, son échelle de 10, qui s'en a mettre, et capacité, toujours son échelle de 10, qui j'en a supposé, volonté versus capacité. Bon, moi-même, je crois que dans le moment que nous vivons là, il y a ce qu'on appelle une situation qui le jeu a coupé. J'ai entendu les prétentions, les ambitions, les désirs du pouvoir. Tout le bagaille que vous voulez faire. Parmi des dossiers extrêmement importants, et d'ailleurs, il y a un team de l'international pour vous faire. Maintenant, pour atteindre cet objectif qui est politique, il n'y a pas foutu faire un pas s'il n'y a pas résoudre le problème de la sécurité. Et résoudre le problème de la sécurité, ce n'est pas une mince affaire, c'est quand on a deux mois devant pour nettoyer des crasses qui ont monté depuis 7, 8, 9, 10, 15 ans, c'est pas plus loin en arrière. La volonté peut être sur le plan politique aujourd'hui une volonté forcée. Parce que il est très clair que je ne peux pas arriver là si je n'ai pas résultat. Maintenant, la capacité, est-ce qu'ils ont les hommes, les femmes, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils sont capables de mettre les moyens que ils ont à servir ça, quels sont les déficits
qui est un dans système dans du point de vue matériel et équipement, tant sur le plan physique, mécanique que humain, mais pas qu'on est. C'est une grande évaluation de tout ceci qui est capable de permettre, par exemple, si je rencontre avec des gens qui sont chefs opérationnels, je veux dire, et pour me demander quel est l'état de la situation. Et ta situation, c'est les hommes, les équipements, le matériel, les moyens. Maintenant, sur l'autre versant, vous êtes capable avec mon petit chef là, vous dire quelle est votre vraie volonté. C'est tel bas et tel bas. Ok, sauvez la chef là, mais bagaille pour réunir pour qu'elle puisse atteindre. Est-ce qu'on est prêt à investir la donne pour faire ça? Maintenant, ça nous sont plantés, oui, mais vrai bagaille là, c'est analyse technique au Braldou, nous disposons de tant d'hommes. Parce que quand vous allez utiliser des hommes en matière opérationnelle, faut prévoir tant de préparation, faut prévoir tant de route pour eux, faut prévoir tant de relève, parce que les gens ne sont pas machinés. Les gens, madame, les gens, petit, bien sûr, le cap qui une opération. Normalement, dans l'amour, capable qui une opération, et retenir notre situation opérationnelle, aller au-delà de moi. Mais il y a une infrastructure logistique pour ça. Et moi, pas tellement quoi que ça peut être le cas au niveau des policiers. Et je dis, où sont les pistes d'entraînement des policiers? Combien de fois, un matin, il y a un groupe policier qui 200, 300 nègres qui levait quand fait jogging, ouais, fait jogging. Monsieur, à un certain moment, dès qu'on voit six mots, dès qu'on fait lui, ça a des années. Dès qu'on fait tout grand, il y a net, il vit remonter là, lui, etc. Voilà, c'est un prérequis. Parce que c'est l'état physique là qui va renforcer l'état moral nègre là. Dans qui champ de tir que vous entraînez. Me songe, commandant Black. Commandant Black, voilà. Tu fais ça en pile. Combien de pistes de tir de précision que vous gagnez? Combien d'heures d'entraînement au tir que vous gagnez? Pour pas chaque tir, je ne sais pas quand je suis gaspillé. Parce que je ne sais pas quoi. La police est en position, monsieur, moi, il a fait 3 ans à tirer maintenant. Nous parlons pile bail là, Valérie, mais nous parlons d'un bail essentiel. Nous parlons côté problème de manifester. Mais côté problème de manifester, ce n'est pas l'allié. C'est à la source. Nous entendons un pile déclaration publique qui fait. C'est quand vous, par exemple, m'attendez, tout le temps, il y a parlé dans la radio de monde que l'État va contrôler les douanes. Qui gère l'État, après, va contrôler les douanes et l'immigration dans le pays. Et s'il pas contrôle les douanes, qui est-ce qui contrôle elle? Ouais. Et si vous-même vous venez pour poser question ça, face à qui ça y est? Oui, oui. Parce que c'est là-bas qu'il y a passé, notamment, ZAM, munitions, etc. Le bas, ils ont pris des douanes qui décident de faire business, qui est plus rentable pour aujourd'hui, c'est faire cartouche avec ZAM. Mais comme j'ai entendu ça de la bouche d'un citoyen que je disais bandilier, il ouvre même côté mié là. Je n'ai pas de visa, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de voyage. Comment je perds une munition? C'est vrai. Donc, on peut passer un pile temps à perdre un pile énergie pour résoudre le problème de côté de la manifestée, alors que dans la réalité, ce n'est pas l'allié. Je me rappelle de rencontrer avec un grand chef une fois. Il t'a posé des problèmes comme ça. Là, il me dit, mais problème ou rien là, soit faux problème vous posez. Parce que solution à problème, moi, c'est 26 mois que vous maîtrisez. Pour problème qu'on gagne en bas, pas exister. C'est sûr que aujourd'hui, n'importe quoi, bah, la guerre, pour faire une neutralisation au sol, ou opérationnalisation, bon, dire, un petit peu stoppée. Mais sous balance, tout ça, on perd du temps. Mais qu'on y a, en termes de sources, bon, bon exemple très simple. L'État n'a pas répondu à rien, je dis. Par exemple, ou besoin de le faire, par exemple, une plaque. Je dis, ou d'accord, ou pas qu'à faire une plaque pour mettre la machine. Dans le sens que ou une machine privée, ou pas qu'à faire une plaque privée. Les radios sont transport en commun à Kabaou, sont transport en marchandises à Kabaou, sont engin lourd à Kabaou, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'État n'a pas répondu. Y a bail contravention pour vignette, l'État n'a pas bail vignette là. Et Gondam, avant hier, qui frappait machine et qui a mené petitement l'école. Mais machine, d'abord, pas gagné police assurance. Police assurance est périmée depuis l'année passée. Qu'on y a,
moi-même évaluation me fait me dit et ben me garder pour moi est-ce que li forcément de mauvaise foi est-ce que c'est pas un extrême urgence que madame n'a t'ai gagné est-ce que le patal fait assurance c'est fait le pas qu'à faire comme si ou venez obligé à faire des raisonnements par l'absurde parce que l'on paye stupide oui donc c'est ça qui l'état lui organisé il fonctionne autour d'institutions. Et moi, sûr, quelle que soit l'institution, je vais à la bonne règle 1, 2, 3, 4. Maintenant, pourquoi les règles ne sont pas appliquées? Ça, c'est toute la question. Et moi-même, ma présence encore, bien que c'est dans le sens négatif, mon témoignage, président Matéli, le ministre lui dit, on belle Haïti dans tes tours, dans tout écrit, au bail, bien fait. Mon cher Gondak, parce que je vais faire une expérience pour le Haïti qui existait vraiment aujourd'hui. Mais ma pour ça, l'homme rentré m'a fait face à un problème. Yo. C'est pas comme moi, je me suis dit bêtiseur. Je me suis dit moun. Parce que les choses qui existent, yo, pas de droit, jamais existé. Et dans la tête, on normal. C'est comme moi, je me suis dit, je suis passé avant là. Je suis passé avant là. Par exemple, on a dit, on a trois plaques différentes pour mettre dans la machine. Je me dis, mais ça passe au roumain qui n'a pas marché. Moi, j'ai un monde qui justifie, par exemple, mon ami qui dit que, par exemple, et il y a un monde que je connais, qui a machine service de l'État, mais depuis, il y a des autres dans la rue, il y a Fantôme 509 dans la rue, et mais son plaque privée, il est collé dans la machine et service d'État pour garantir que les fantômes ne peuvent ni bouler ni craser. Voilà. Donc, des autres, après des autres, c'est pire. Comment on peut comprendre où l'État? Une situation de difficulté économique que la vie que le pays a est là. Et puis, un citoyen besoin de payer l'État en cop. Il y a pour passer toute tribulation de la terre pour capoter un cop par l'État. Son visite dans la ville provinciale pour être qui bon local DGI. C'est premier coup, deux côtés pour l'État investi toute l'argent dans la DGI avec la douane pour permettre de capter. Les impôts des citoyens capables de permettre de capter comme citoyens pour débattre, pour payer l'État ou l'agence de l'histoire passée. Donc, toute déstructuration, ça, vient de une chaîne de désordre. Côté qu'on côté, le monde qui a dirigé en l'air, bon, il est perdu, par contre, c'est dans l'air, par contre, c'est là. Donc, c'est pas anormal que vous-même, comme citoyen, vous n'avez pas de service. C'est pas anormal que vous-même, comme citoyen, vous n'avez pas de sécurité. Par exemple, moi, m'a regardé un gros cancer. Qui est dans l'infrastructure. Tout le bagage en Haïti, c'est l'argent. Tout le monde a cherché l'argent rapidement, côté le pas fait pour le payer. Ou bien l'impression, c'est une situation de chantage en permanence sous tête d'État. Pour qui ça? Parce que vous avez pile l'autre côté, vous pile l'argent gaspillé, vous n'avez pas cherché donc même pour qu'ils n'ont pas joué tout. Et assez souvent, l'état d'esprit, ça a dénaturé l'institution eux-mêmes. Oui, tout à fait. Mais maintenant, maintenant, dernier sujet à la colonel Rebus, c'est bon. Et je dis, hein, vite machine ou DTT? Pardon? Vite machine port DTT? Oui. Même côté, bah là, madame DTT, vite machine, vite machine, pas DTT. En tout cas, si mon machine vite, pas DTT, je ne pas social. Ok. Gade moun qui dit, yo DTT on boit pour PM, non? Yo quitte on boit teinté pour parler national. Non, écoute, une mesure d'État, c'est une mesure d'État. Si ma prends sur le plan technique, il prétend un pile critique qui est apparemment justifié. Par exemple, il y a un dit oui, aux États-Unis, où circuler avec machine vite teintée, en République dominicaine, parce que ma grande machine, il va y avoir teinté. C'est vrai. Au point que je me dis qu'il y a deux mois de ça, je me réfléchis sur cette question. Mais, dans le cas Haïti, infrastructure. Repositionnement sécurité paysan, gagne ou pas gagne. Trois cas paysan, il y a caméra qui contrôle tout côté dans la rue. Il y a les structures d'information invisibles, humaines, qui sur place. Il y a les structures d'interception, de captation qui sur place. Donc, on ne peut pas circuler avec vite machine, avec vite tempé. Parce que si vous avez un problème, il y a une capacité pour identifier la machine. Et il y a une capacité, s'il pose un acte, pour intercepter. Maintenant, en Haïti, j'ai le sentiment, pas affirmatif, même plus qu'à 95%,
que dispositif anticipatif n'a pas existé. Dès lors qu'il n'a pas existé, seul bagage ou rien, c'est DTT. Et DTT, moi, je vais communiquer avec le président de notre République. Il a dit exemption faite des véhicules officiels, des véhicules du corps diplomatique, des véhicules consulaires, etc. Il y a deux groupes de machines qui sont capables de teinter et machines qui n'ont pas convoi président avec le premier ministre. Si vous appliquez un règle, vous commencez à mettre exemption, la dernière c'est exemption de la zone règle. Par exemple, il y a des cas que je ne connais pas tellement. Il y a des gens qui sont malades. Par exemple, il y a des gens que je connais qui voient notre téléphone qui souffrent d'un cancer cutané. C'est que par exemple, quelqu'un qui a bien contact avec le rayon ultraviolet. Maintenant, ça a ton cas, côté mon nom, un certificat médical. Donc, il faut que les policiers soient instruits. Mais par exemple, ils aiment parler avec mon nom sur ça. Je dis, c'est vrai qu'on n'a pas circuler avec vide détecté. Mais lors d'entrer dans le bureau ou entrer la caille, machine non, non, mais qui est-ce libre? Est-ce que le chauffeur a pu sortir la machine? Et si un policier a été machine, est-ce que le chauffeur a pu dire qu'il y a un problème vitané? Ce qui est clairement non. Donc, ça, c'est un problème à résoudre. Et c'est bon que les mesures apprennent que vous calculez. Moi-même, je ne suis presque pas dans la situation pour faire des déclarations publiques sur ce sujet ça. Mais, première machine qui fait pour déteinter en Haïti, il y a des machines de plaque officielles. Quelle ancienne plaque, quelle nouvelle plaque, ça fait un. Deuxième mesure obligatoire, Valérie, c'est à faire policier qui a intervenu auprès des citoyens avec un cagoule dans la tête. Parce que nous avons une histoire, enlèvement au fait, avec des gens qui ont un uniforme de l'unité qui n'est pas identifié. Donc, l'homme qui a une cagoule dans la tête, il n'y a pas qu'à connaître si son officier de la force publique. Il a expliqué que c'est pour des raisons de sécurité, peut-être tout, parce que après ça, on va dans la rue, si jamais il a intercepté un bandit, pour que le bandit n'a pas clairement identifié. C'est ça, me donne des policiers à raconter. Il y a deux cas. Il y a le cas des interventions sur la voie publique dans des relations avec les citoyens. Il y a les cas d'opérationnalisation de la force publique. C'est deux bails différents. Par exemple, on est qui va rentrer non opération qui est liée à un acte d'État décidé quoi faire. Bon, il y a un droit de cagoule. Toutes les forces spéciales à travers le monde. Mais pas et l'officier de police qui va rentrer dans contact, qui va gérer la vie des citoyens. Par exemple, mon cap qui est l'opération DTT Vitio. Moun kap intervenu pour les citoyens contravention. Depuis moun nan gagné pour le cap nan parler avec citoyens, li obligé. Parce que son travail d'État l'a fait pour la protection du citoyen. Donc, il faut que nous différencier. Kagoul qui est obligatoire, qui rentre dans le mode opératoire, certaines forces spéciales, les a intervenu dans des opérations décidées par l'État. Du moun kap intervenu dans la vie publique, dans la vie sur la voie publique avec les citoyens. C'est deux bagages différents. Ok. Maintenant, dans le cas. Deux bagages différents. En pile résultat, les Mario André Sol qui rentrent dans la police, là, ils étaient imposés. Non seulement, ils étaient imposés l'identification par un numéro de chaque policier. Oui. De telle sorte que, si vous avez un problème avec un policier, vous allez poser un rapport pour lui. Oui, on peut donc plaindre contre tel ou tel policier. Ou de tel côté, ou de tel policier, tel numéro qui font tel bagage, voilà. Donc, ceci ne peut pas être un secret. Mais qu'on y a, est-ce qu'on connaît que Gonti cellule et FBI qui est installée dans Haïti? Il était toujours là. Non, mais qu'on y a là, j'ai l'impression qu'il est actif, d'autant qu'il est impliqué dans la question à l'interroger les gens qui sont en prison, etc. Il était toujours là. Les forces de renseignement, d'intervention, d'opérationnalisation des États-Unis ont toujours été sur le terrain. Ok. Ils ont respecté les règles internationales en la matière. Ils n'ont pas là pour jouer. Ils n'ont pas là pour faire des yards. Ils sont là pour régler des bagages qui concernent protection l'État et protection intérêt des États-Unis sur le territoire national. Elles ont toujours été là.
OK. Est-ce que là ils ont été opérationnels? OK. Le par exemple où on paraît yo rivé au joint moun yo besoin, c'est pas oui, bon hasard, c'est bon hasard. C'est bon hasard. OK, dernière question et ça est population colonel Rebut. Par rapport à ça, par exemple, on dit chaque l'heure, on dit que des premiers ministres jout, qui parlait, qui va garantir ceci, qui va garantir cela. Bon, il y a kidnappé mon pirate. Ensuite, ou t'en des présidents qui annonçaient que, bon, déjà, qu'on cellule contre enlèvement qui existait dans des CPJ. Il y a dit, il y a monté un lot lui-même, on unité contre kidnapping. Mais, population toujours à victime. Qui ça, comportement population t'a doué par rapport à ça lui-même, pour gérer tête dans la question insécuritaire? Et c'est difficile, parce que c'est pas le rôle de la population pour le protéger, c'est le rôle de l'État. Parce que l'État a une indication qu'on a fait, il est bon pour ça, il n'est pas bon pour ça. Il est bon pour telle zone, il n'est pas bon pour telle zone. Et c'est ça que fait l'homme écrit les ouvertes. L'homme a dit, premier bagaille que tu fait pour bien considérer, c'est le temps et la confiance. Il y a des bagailles qui pour faire pour mettre la population en confiance. Et il y a des bagailles qui est capable de faire, Valérie, dans une à deux semaines, que le monde est capable de lever, ou faire une semaine de travail, ou prendre machine, ou monter, ou des acadins, ou monter dans le sud, et ou aller passer un week-end avec femme, tranquillement, ou aller ou tourner, sans qu'on n'ait aucun souci. Ça est capable de faire, et pour moi-même, c'est la première opération pour responsable à faire. Une opération de sécurisation réelle. Des villes. Et comme nous avons entendu pas faire, il peut demander un peu d'énergie, mais il commence à faire un résultat pendant 2-3 semaines, ou qu'il peut alléger le dispositif là, mais il faut le faire. C'est confiance à qu'il permet que citoyenne, que citoyen, il n'y a pas besoin de peur sur nos machines vite détecté. Ça, il faut le faire. Et c'est ça seulement qu'il dit, ah, bon, rien, les gens vont essayer de faire. Et à partir de là, il n'y a pas de pédaler. Nous connaissons qu'au départ, c'est difficile. Parce que c'est toute une infrastructure en dehors de... Ça nous vivons pendant ces dernières années. Ouais. Maintenant, en mettant le dispositif en place, là, on commence à faire des résultats. Par exemple, pour que j'aime comprendre le phénomène, quand vous dites, et Vivant nous dit, ou bien pour aller dans le sud, pour aller travailler dans le pays, et puis qu'on y a là, ou il veut dire quoi, vous ne pouvez pas continuer ou quoi. Chaque pour faire ça tellement simple, que je pas capable de comprendre. Mais ça dépend de revendications. Revendications pas toujours même, non. Quelle est la revendication sociale? Pour ça, tout, quelle est la revendication politique? Même si ça, il n'est pas capable de contrarier le fonctionnement de l'autre citoyen. Paul Guerreg. En République dominicaine, il y a un côté pour manifester. Il y a un côté pour interdire de manifester. Il y a un côté de bloquer route à gauche, à droite. Deux, trois nègres qui viennent contre avec un gouvernement, parce qu'on a décidé qu'on a une petite machine, nous l'avons crasé, ou même l'empêcher de circuler. C'est lui qui a un côté pour le faire bagaille. Et il faut que les règles soient claires. Maintenant, il faut un dispositif qui mette en place, et pour ça faire, parce que lui est capable de faire. Ouais. Maintenant, c'est cette confiance qui va diminuer tendance au désordre chez les citoyens qui comprennent que c'est dans le désordre qu'ils sont capables de l'exprimer, vous faites entendre. Et comme il y a une théorie qui est développée, en Haïti, je dis, si vous ne faites pas caser briser, l'État prend l'eau. Ouais. Donc maintenant, nous venons remplacer les règles de fonctionnement de l'État par les règles de l'anarchie. Il n'y a pas qu'à fonctionner. Oui, tout à fait. Merci un peu, et colonel Rebut. Un plaisir de te recevoir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Merci beaucoup pour l'invitation, Valérie. Bonne journée à tout le monde. Et je crois que, et ça me dit, si j'ai un bagage que moi-même, comme citoyen, comme officier capable de faire, pour permettre un soulagement en matière de sécurité, quel que soit critique, je m'apprends même en fait. OK. Merci un peu. Voilà, notre invité, le colonel Himmler Rebut. El Jean-Pierre, alors son l'autre Jean-Pierre, et me font lapsus, et m'a cherché et prénom, et zami que t'es responsable SIN et service d'intelligence nationale. El Jean-Pierre, effectivement, j'étais délégué départemental et l'Ouest, mais m'a cherché prénom, et Jean-Pierre dans SIN pour nous. Merci à vous et tout le monde qui t'a écouté, et à nous croiser demain pour l'autre invité du jour.